Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous sommes mardi 16 janvier, il est presque 18h. Encore une fois, je ne vous prends pas de bonne heure. Vraiment, c'est la catastrophe en ce moment. Voilà. Donc, pour ceux qui passent par là par hasard, si vous n'aimez pas les vidéos tuto dans lesquelles il y a aussi du blabla, eh bien, bonne route. Voilà, je vous le dis tout de suite. Parce que, hein, c'est comme ça, je pense qu'on est des êtres humains. Et on peut vous présenter des choses très sympathiques et pour autant avoir envie de papoter. Et ce sont nos chaînes, on y fait ce que l'on veut. Voilà, petit aparté terminé, ça ne m'a pas pris trop longtemps, vous avez vu quelques secondes. Allez, on est parti sur un tuto sympathique, vous allez voir. C'est un tuto, disons que c'est un format que je ne vous ai pas encore proposé. C'est la première fois que je vous le propose, je ne l'ai pas inventé, hein, je n'ai pas cette prétention. Vous pouvez le trouver sur plein de chaînes américaines, entre autres. Toutes les chaînes qui font un peu du junk journal, de la récup, etc. Voilà, à un moment donné, elles ont pu vous le proposer, je pense. Sur les chaînes françaises, j'en sais rien parce que j'en regarde pas assez pour le savoir. Mais moi, perso, j'en ai jamais vu. Mais même s'il y en avait eu, écoutez, tant mieux. Voilà. Hein. C'était ma petite entrée en matière. C'est parti. Donc, vous l'avez compris, je me munis d'un livre. C'est un livre qui n'est pas abîmé. Pour autant, c'est un livre de récup. Merci Christine, vous ne le savez pas, mais c'est vous. Donc voilà. Donc c'est un livre que je ne souhaite pas garder dans ma bibliothèque pour moult raisons. Et donc voilà. Pour ceux qui n'ont pas envie d'apprendre un livre de leur bibliothèque, vous avez la chance en France, par exemple, après dans les autres pays, je ne sais pas trop, mais d'avoir des Emmaüs, des brocantes, des choses comme ça, vous trouvez aisément des livres à 3 francs 6 sous et que donc vous pouvez consacrer, utiliser à ce type de création et donc pour votre scrap en général. D'accord? Donc moi, c'est un livre de récup, je ne l'ai pas acheté. Le prix d'achat, il est marqué à l'arrière. Clairement, c'était 21 euros de base. C'est quand même quelque chose qui est très cher. On est d'accord. Mais voilà, c'est pas un achat. Donc, on est parti. Donc, c'était un livre, ma foi, qui a été plastifié. Je ne vais pas m'embêter à le déplastifier. Il restera comme ça parce que de toute façon, vous allez voir au fur et à mesure de l'évolution, il va y avoir du changement. Donc, pour commencer, je vais enlever. Je vais garder la couverture là parce que si je vois bien que si je l'enlève, il y a eu déjà un genre de, je vais pas dire rafistolage, mais en fait, il y a une partie un peu adhésive. Donc, si j'enlève, ça va tout flinguer. C'est pas mon objectif. Donc, je vais voir. Hop. J'avais pas lu. Hop. Je vais enlever quelques pages de ci, de là et je vais essayer de ne pas les flinguer parce que, bien entendu, elles me serviront. Et dans cette création-là et sur d'autres créations. D'accord? Donc, voilà. Je vais enlever les pages où il y a un peu trop de blanc. En fait, vous l'avez compris. OK? Mais ce n'est pas une obligation. Voilà. Ici, ensuite. Ouais, ma colle là. Hop, elle est là. Donc, c'est un livre à la page, à la base qui contient. Alors, en page notée, évidemment, parce qu'en vérité, il y en a plus. Plus de 400 pages, d'accord? Donc, c'est beaucoup, évidemment, hein? Donc, on va tout de suite passer à une partie très simple qui est le collage de celle-ci. Donc, j'ai enlevé les premières blanches. Bon, ma colle, c'est pas possible. Faut vraiment que je mette chauffage, clim et tutti quanti dans mon atelier parce que franchement. Les colles en bâton, elles kiffent pas du tout ces changements de température. Ou alors c'est la colle qui est plus qu'elle était, hein. Je sais pas, c'est peut-être ça, hein, après tout. Donc voilà, je colle une première page. J'ai gardé celle-ci parce que comme je vous l'ai dit, bon, pas envie de faire des dégâts pour l'instant. Peut-être ça me viendra plus tard. Je vais continuer. J'enlève une page. Deux pages. Trois pages. Allez, celle-ci, elle est cornée. Du coup, ce sera ce qui va marquer. Je vais changer de colle parce que ma colle n'est pas terrible. C'est bizarre, hein? Moi qui en fais des éloges tout le temps, eh ben, celle-là, elle aura vraiment hyper mal vieilli. C'est catastrophique. Pourtant,
On est en hiver, quoi. Que ça le fasse en été, j'entends, mais en hiver. Là, elle devrait pas être. Elle sent bien, par contre, j'aime bien l'odeur. Voilà. Ok. D'accord. Donc, on continue. On va enlever une, deux, trois. Vous avez vu, au fur et à mesure, ça commence à un petit peu s'abîmer. Quatre et cinq. On vient coller celle-ci. Donc, si on enlève comme ça un bon nombre de pages, on peut rester sur un truc après à, je vous ai dit, plus de 400 pages. Si on divise par 5, ça fait combien ça? Ça fait... j'ai un trou, c'est fou. 400, c'est divisé par 2, ça fait 200. Non, il faut que j'arrête mes âneries là. Mais pourquoi j'arrive pas à compter? Je vais l'écrire. 400 divisé par 5. Ah voilà, ça fait à peu près 80 pages. Même comme ça fait beaucoup. Donc on va continuer à réduire un petit peu si on peut. Donc là, on a collé. D'accord. On n'hésite pas à venir décoller comme ça du milieu. Et on y va. Une, deux. Ça commence à avoir un peu plus de mal à se défaire, c'est pas grave. Trois, quatre, cinq. Ok, donc je vais coller celle-ci. Voilà, on colle. Ok, donc ça va nous faire plein de pages après qu'on pourra utiliser pour faire d'autres choses, évidemment. D'accord, hein, on l'a compris, c'est bon. Donc je continue comme ça. J'essaye de décoller un petit peu du milieu pour voir si ça s'abîme un peu moins, mais c'est normal, hein. Hop. Bon, après, il faut prendre son temps aussi. Il ne faut pas y aller comme un bourrin. 5. Allez, là, je vais en enlever 6. Ok. Donc, on colle les deux là. Voilà, vous en enlevez 5, 6. Enfin, en même temps, c'est fonction du bouquin que vous allez garder et du nombre de pages que, du coup, vous allez garder. On en enlève quelques-unes en fonction du nombre que vous voulez garder. Hein, vous calculez. Ensuite, ben, vous en collez par deux, comme ça. Évidemment, pourquoi on les colle? Parce que ça va donner de l'épaisseur, ça va donner de la rigidité et donc de la solidité, n'est-ce pas, au projet. Voilà, et on fait ça sur tout le bouquin, d'accord? Donc, vous avez compris le principe, j'ai peut-être pas besoin de faire tout ça avec vous. Donc, je vais continuer et je vous reprends. Allez, je vous reprends. Ça fait près d'une heure que je vous avais laissé et je suis restée là à travailler sur mon bouquin. Travailler, tout est relatif, à scraper. Donc, j'ai arraché tout ceci en pages, que bien sûr, je vais utiliser prochainement et que, si vous le souhaitez, vous utiliserez avec moi, d'accord? Donc, on est passé d'un gros livre de 400 pages à ceci, ok? Voilà. J'ai donc finalement, je suis restée sur 5 pages arrachées, 2 collées, 5 pages arrachées, 2 collées. On va compter ensemble combien du coup j'en ai. J'en avais plus de 400, hein. J'ai pas le chiffre exact, mais voilà. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors j'ai arrêté de coller avec ça parce que j'en avais plus tout simplement. Je suis passée à ça, d'accord? Du coup ça fait un petit effet gondolé, mais ça, en séchant ça va s'atténuer. Puis de toute façon, vous verrez par la suite, ça ne se verra plus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Vous avez vu, je compte bien, hein. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26, 27, 28. Voilà, j'ai 29 pages, grosso modo. Concrètement, c'est la partie un peu fastidieuse, un peu pas marrante. Mais bon, en même temps, il y a aussi ces parties-là qui sont importantes. Donc, on arrache, on colle. Lorsque vous arrachez, il arrive un moment où parfois, ça s'abîme un petit peu. Alors, vous n'hésitez pas. Moi, j'ai fait de la façon suivante. J'ai fait, bien sûr, avec mes dents au plus possible. Sinon, avec une petite pince. Mais ma pince fait un peu la goulette. Et j'ai pas cherché en cherchant une autre. Mais j'en avais peut-être. Mais je pense que la pince, c'est l'idéal. Et sinon, j'ai fait tout simplement avec un cutter. Mais bien sûr, pour ne pas flinguer toutes mes pages, j'y suis allée tout doucement pour ne pas aller couper toutes mes pages suivantes. D'accord? Donc, voilà. Déjà, pour commencer... pour faire cette création, il va falloir que vous choisissiez un thème ou une idée, d'accord. Dans mon cas, j'ai plusieurs idées, donc quand c'est comme ça, du coup, je sais pas si je la choisis tout de suite ou pas. Bon, bref. La couverture, on va la laisser en stand-by pour l'instant. Je la ferai à la fin. C'est comme mes albums, c'est comme mes junk. Moi, en général, je fais la couverture en dernier, d'accord. Donc là, sur cette créa, sur ce qu'on va appeler un livre altéré, puisqu'il s'agissait bien d'un livre et qu'on est en train de l'altérer, c'est-à-dire de modifier son usage premier, eh bien, voilà, la couverture, ce sera en dernier de chez dernier, d'accord. Là, tout de suite, je vais me munir de washi tape. Alors, je me suis munie de boîtes de washi de chez Action, qui datent, hein, ils ne sont pas d'aujourd'hui, ils ne sont pas d'hier non plus. J'en ai pris plusieurs. C'est des styles et des couleurs tout à fait différentes. Mais vous savez que moi, j'aime mélanger les styles, les couleurs, les matières, tout. Donc, voilà, c'est pas grave. Pourquoi j'en ai pris plusieurs? De toute façon, je vais être très honnête avec vous. C'est parce que je veux des larges. Donc, en fait, très simplement, il se trouve que dans chaque boîte, il y a un large, un vraiment très large. Et voilà. Et sachant qu'une seule, enfin, un seul rouleau ne... à mon avis, ne suffira pas pour tout ce que je veux faire. Donc, voilà, je vais prendre le gros de chaque boîte. J'en ai d'autres si jamais ça ne suffisait pas. Donc, ce sont des washi de chez Action. On le sait tous, ils ont pas, ils collent pas des masses. Donc, bien sûr, on va assurer notre collage, ok? Mais ce n'est pas un problème. Clairement, je ne suis pas partie sur une créa... comment vous dire ça? De base, je partais sur une créa un chouïa vintage. Mais comme vous me connaissez, je m'autorise un petit grain de folie. Et je vous le souhaite parce que c'est important. Donc voilà, on est vraiment dans le mélange des couleurs. D'accord? Vous les voyez ou pas? Je sais pas. Mais après, ça, voilà, ça, c'est des couleurs quand même suffisamment neutres pour qu'elles se mélangent avec les autres. Pour assurer notre collage, comme d'hab, taqui glue, elle est là. Je vais re-remplir. Enfin, je vais re-remplir. Non, je vais tout simplement remplir. C'est vrai qu'on a des tics de langage. Vraiment, des fois, on se demande. Hein. Re-remplir. Non, je vais... Enfin, oui, à la limite, je pourrais re-remplir. Parce que, en fait, j'ai déjà rempli avant, précédemment. Mais pas aujourd'hui, quoi. Enfin, mais non, c'est je vais remplir tout simplement ceci. On va d'abord faire couler. Voilà, donc. En fait, mes washi vont me servir... évidemment d'embellissement, à embellir, mais ils vont aussi et surtout me servir de à consolider, puisque nous avons dû arracher un certain nombre de pages, et que donc au niveau de la reliure, on a forcément fragilisé un peu la chose. Si vous avez utilisé le cutter et que par malheur de temps en temps la lame a été trop loin, tatati, tatata, voilà. Là, ça va nous permettre de consolider. C'est vraiment le travail de départ. C'est on arrache nos pages, on en colle certaines par deux. Et ensuite, on consolide le tout, d'accord. Donc, voilà. Donc, ici, j'ai pas franchement besoin, mais je vais le faire quand même. Comme ça, il y aura une petite base de couleurs sur vraiment chaque page. OK. Donc, je vais mettre de la colle. Comme ça. Est-ce que vous voyez? D'accord, on y va. Je pense que j'en ai mis peut-être un peu trop. Ben non, écoutez, ça va. J'ai pas été si large que ça. Je pensais avoir été trop large. Voilà, et je vais faire ça, comme ça. Alors, j'insiste vraiment, les washi de chez Action, moi, écoutez, je les utilise et j'en suis très contente.
Mais voilà, en plus ils ont de très très jolis motifs, de très jolis coloris, design et compagnie, enfin appelez ça comme vous le souhaitez. Mais voilà, la petite touche de collage au préalable, la petite touche de colle au préalable est très importante. Donc je fais pareil sur évidemment toutes mes pages. Donc là encore, on est sur un travail qui est un petit peu fastidieux. Donc là, on est clairement sur une vidéo qui a pour l'instant 15 minutes, mais j'en suis déjà à... pour ma part, avec la dextérité qui est la mienne, je sais pas moi, je vous ai dit bien une heure, ouais, on est bien à une heure et demie déjà, d'accord? Donc voilà, c'est une création qui est un peu longue à faire, nous ne la ferons pas en une seule vidéo, évidemment. Là, on est sur la base, et on se retrouvera pour le reste, pour d'autres choses, évidemment, d'accord? Donc... comme d'habitude, vous n'aurez pas la vidéo à l'heure. Hein. Bon, ça y est, je pense que vous avez pris le pli maintenant. Bon, c'est vraiment, il faudrait que j'arrive à faire des vidéos d'avance, mais voilà, c'est pas gagné. Et puis, comme je vous le dis, moi, je prépare pas forcément ni mes tutos ni mes vidéos avant, et c'est comme ça que je fonctionne, et ça, voilà, et ça restera comme ça. Hein. Juste, j'avoue que si j'avais le temps de faire quelques tutos d'avance, les petits tutos tranquillou, facilou, ça peut être sympa aussi. Ça me permettrait du coup, par exemple, sur ce type de longues vidéos, de les faire tranquillement toutes seules et ensuite de vous les présenter. Alors là, par exemple, vous voyez, bon, il a un peu chiouté, pour ne pas dire de gros mots, au niveau de la dorure. Tant pis, on le laisse quand même. Et le reste fera son travail, d'accord? Donc, je reviens derrière voir si tout va bien, si ça n'a pas bougé. Ça n'a pas bougé. Voilà, et je vais faire ça, donc, sur toutes les pages. Je vais... voilà, je vais utiliser mes quatre couleurs, mes quatre rouleaux. Si j'en ai plus, ben on fait avec plus. Si vous en avez plus, vous faites avec plus. Voilà. Et si vous n'en avez pas, vous pouvez aussi utiliser... alors, je l'ai peut-être ici sous la main. Vous savez, l'adhésif marron qu'on utilise pour faire les couvertures, entre autres, d'albums. Que voici. Le nom ne va pas me venir, c'est pas grave. Voilà, vous pouvez utiliser ça sinon, si vous le souhaitez. Ça va encore plus vite. C'est juste que c'est beaucoup plus large. Donc voilà, moi j'ai pas envie de ça aujourd'hui, d'accord? Donc voilà, je vais mettre mon washi partout, et puis bah écoutez, on se retrouve, hein, d'accord? Alors, je vous reprends. Concrètement, je suis arrivée pour faire cette vidéo, enfin je suis pas arrivée, mais j'ai commencé cette vidéo il y a 1h45. Et donc là, eh bien je n'ai plus le temps en fait de continuer. Donc, vous avez compris le principe, d'accord? Pour aujourd'hui, on va s'arrêter là. Ce sera la première partie. Et demain, on fera la deuxième partie, ma foi. J'ai déjà terminé presque deux rouleaux. Ok. Il ne me reste pas beaucoup de pages à faire. Vous pouvez le voir. Voilà. Donc, j'ai coupé qui est genre que 2 mm qui dépasse. Mais volontairement, je laisse du mou. Je laisse en fait dépasser un petit peu. Je m'occuperai demain, quand ce sera sec, bien sec, de couper ce qui dépasse. Ici sur les côtés, d'accord? Voilà. C'est important de travailler sur des créations qui sont bien sèches parce que sinon, faut dire ce qui est, on abîme, le résultat est pas top et voilà. Faut parfois savoir prendre le temps. Donc là, mes pages ne sont pas sèches. Mon washi n'est pas tout à fait sec non plus. Donc de toute façon, j'aurais pas retravaillé sur mes pages comme ça aujourd'hui, même si j'en avais eu le temps, d'accord? Donc on est sur la première partie terminée. Pas réellement pour moi, mais pour la présentation. Je finirai, je pense, je vais me l'amener à la maison, tout ça, et je vais finir à la maison. Et en plus, comme il y a le chauffage, ça séchera aisément. Et puis demain, nous continuerons, d'accord? Donc voici la première partie de cette nouvelle proposition de format de création. Je ne sais pas le titre que je vais mettre. Je suis en retard. Normalement, à cette heure-ci, vous avez déjà eu la vidéo, c'est vous dire. Donc voilà, on verra ça au fur et à mesure. Je vais finir tout ça à la maison. Je vous invite, si le format vous intéresse et vous plaît, eh ben écoutez, à commencer. Et puis on se retrouve demain pour la suite. D'accord? Vous allez voir, ça va être vraiment très très sympathique. Et puis voilà, si comme moi vous êtes adepte des washi, de toutes les matières possibles et imaginables, de tous les styles possibles et imaginables, eh ben vous allez vous éclater. Je dois vous avouer que il y a une tempête qui se lève. Que ça souffle fort, qu'il faut absolument que je rentre mon mobilier de jardin, que je voie mon linge où c'est, etc., etc. Et donc, de toute façon, pour aujourd'hui, c'est terminé. Vous voyez, j'ai laissé un petit peu dépasser. On s'occupera de ça plus tard. D'accord? Je vous dis à demain. Allez, à vous. On arrache.
on colle, on consolide, et demain on se retrouve pour la suite.